Promouvoir l'entrepreneuriat au Togo et faire des jeunes entrepreneurs togolais des champions nationaux, c'est l'objectif premier que poursuit le FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, en collaboration avec Ecobank suite à l'accord de partenariat avec le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. À cet effet, il a été tenu dans les locaux de l'institution financière au Togo, ce 6 juillet 2023, une rencontre d'échange avec les jeunes bénéficiaires du financement. Une rencontre tenue après une collaboration réussie. Ce que nous avons constaté durant les 2 ans de collaboration, c'est que ces entreprises qui ont traversé cette première phase, ces entreprises ont donné solution à des problèmes aujourd'hui. Donc ces entreprises nous ont fait fierté. Et nous, à Ecobank, après ces analyses scientifiques que nous avons eu à faire, on a identifier les réels problèmes que ces entreprises ont. On a donné des moyens de financement pour qu'ils puissent évoluer. Nous allons continuer davantage sur cet élan. Cette rencontre a non seulement permis de discuter du financement effectué d'une enveloppe de plus de 1 790 929 000 francs CFA à travers le FAEJ, mais aussi d'honorer les entrepreneurs qui se sont distingués de manière particulière. J'ai bénéficié du crédit, je pense, la cagnotte la plus importante de toute l'équipe qui a été choisie suite à notre business model, à notre plan de développement et surtout aussi avec les années d'existence et notre vision pour conquérir l'Afrique. Au jour d'aujourd'hui, notre attente, c'est qu'une discussion assez poussée soit faite. Si réellement on veut faire des jeunes, des champions nationaux, il faut qu'on regarde pour savoir jusqu'où le jeune pourra être autonome, parce qu'il s'agit aujourd'hui de l'autonomie. Ecobank renouvelle son engagement à accompagner financièrement et techniquement les jeunes entrepreneurs du Togo.